regardez où vous allez. Attendez, excusez-moi, je vous ai pas vu, vous étiez derrière. Et vos rétros, vous faites quoi avec? Bon, attendez, je vais peut-être voir ce que vous avez, vous êtes fait mal. Hey, attendez, partez pas, je suis médecin. Bah oui, je suis médecin. Bon. Vous me poursuivez ou quoi? Non, non, pas du tout. Alors, au revoir. C'est ça que vous cherchez? Ils sont tombés pendant votre cascade. Merci. Le docteur est pas là. Perdu. C'est moi le docteur. Prouvez-le. Moi aussi, j'ai mes clés. Vous êtes venu pour le ménage? Perdu. Je suis votre assistante. Ah bon? Le docteur Morisseau m'avait parlé d'une femme d'une cinquantaine d'années. Elle est malade. Je la remplace. Je suis étudiante en troisième année. Comme ça, on est deux remplaçants. Ah. Équipe de choc. Voilà, c'est fini. Oh, un fut tout neuf. Et bon, ça va, je vous en achèterai un autre. Merci, mais je préfère l'acheter moi-même. Écoutez, Marie, on ne s'est pas choisis tous les deux. Hein? Mais vous avez besoin de moi pour valider votre stage, et puis moi j'ai besoin de vous comme assistante. Alors on a peut-être plutôt intérêt à s'entendre tous les deux, si vous voyez ce que je veux dire, ok? Et d'abord, si on commençait par se tutoyer, c'est la pratique entre médecins. Je suis pas médecin. Mais vous, vous pouvez toujours. Marie, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît? Hein? Est-ce que tu peux aller ouvrir cette porte? C'est toi l'assistante, Marie. Oui, j'y vais. Merci. Bonjour. Excusez-moi, je sais que la consultation n'a pas commencé, mais je voudrais voir le docteur. Oui, oui, il est là. Merci. Bonjour, madame. C'est pour une urgence. Mais allez-y, entrez. On va installer le petit sur la table, là. Tu fermes la porte, Marie? Eh bien, mon bonhomme, tu fais pas les choses à moitié, toi. Voilà, on désinfecte. Léo, je te demande d'être encore patient 5 petites minutes, d'accord? Marie, tu me trouves les sparadraps, s'il te plaît? Alors. Dites-moi, madame, Léchard est profondément enfoncé sous l'ongle. Il a dû hurler, hein? Non, non, il a rien dit. Comment ça, il n'a rien dit? Non, rien. Non, je m'en suis aperçue parce qu'il boitait. Je te mets un petit liquide anesthésiant. C'est bientôt fini, mon grand. On va enlever la petite bébête. Allez, attention. Voilà. C'est fini. Bien. Marie. Marie. Merci, Marie. Dis, Léo, je crois que mon assistante, elle a eu bien plus mal que toi. Hein. Je passerai cet après-midi pour le rappel anti-tétanique et le pansement. Voilà, c'est fini, mon grand. J'ai jamais vu un gosse aussi insensible à la douleur. Oui, c'est pas normal. C'est pour ça que je veux le revoir. Il veut peut-être jouer au dur devant sa mère. 6 ans, c'est l'âge de n'importe quoi. C'est pas une question d'âge. Personne ne peut s'enfoncer une écharde aussi profondément sans rien dire. Alors qu'est-ce qu'il a? Il ressent pas la douleur? Je sais pas encore. Ah. C'est l'heure de la première consultation. Tu te sens capable d'y assister? Bah oui, pourquoi? Je sais pas. Tout à l'heure, t'avais pas l'air très à l'aise. Mais si, tout va bien.
Installez-vous, monsieur. Merci. Il est jeune pour un docteur. Et en plus, il est noir. Excusez-moi, vous parlez du remplaçant, là? C'est un noir. Presque. Moitié, moitié. Par contre, l'assistante, tout à fait charmante, hein? C'est une gamine. On dirait qu'elle assiste aux consultations. Ah bon? Messieurs, dames, c'est à qui? Voilà, voilà, c'est à moi. Mademoiselle, excusez-moi, mais j'ai rendez-vous. Non, mais vous avez vu ça? Quelle toupée! Il vient à peine d'arriver. Si vous voulez mon impression, c'est la petite demoiselle qui me fait cavaler. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. C'est curieux de vouloir se déshabiller quand on a juste mal à la gorge. Tu sais, t'aurais pas été là, ça serait même pas posé la question. Alors, comment ça va? Très bien, docteur. Léo va mieux. Tant mieux. J'ai acheté le vaccin. Bonjour. Léo, le docteur est là. Léo. Je préférerais rester seule avec lui. Bon. S'il vous plaît. Ben, je vous laisse. Merci. Ça va, Léo? Voilà pour ton petit pied. Je vais te faire une petite piqûre histoire d'éviter tout risque d'infection. Alors, le vaccin. Alors, ça va faire un tout petit peu mal, mais c'est pas grand chose. Et allez. C'est terminé. Léon? Pourquoi tu me dis rien quand je te fais mal? Viens, mon bonhomme. Regarde-moi. Tu sais ce que c'est qu'un docteur? C'est un monsieur qui aide les gens quand ils ont mal. Alors même si tu le dis à personne, moi il faut le dire quand t'as mal. Sinon moi je sers à rien et puis bah, ça me rend triste. Eh bonhomme, tu veux bien me dire où tu as mal? On va faire un jeu tous les deux. Avec ton nounours. Tu veux bien jouer avec moi? Bouge pas, je reviens. Regarde. Tu vas poser des gommettes sur ton ours, à l'endroit où tu as mal. Et plus tu as mal, plus tu mets de gommettes. Ok? De toute façon, c'est pas pressé. Tu peux même y jouer quand je suis pas là. Comme ça, quand je reviendrai, je verrai ton ours et je serai le seul à comprendre. Ça sera notre petit secret à tous les deux. Dis donc, t'as l'air drôlement fort sur les photos, hein? Eh, hey, est joli ton dessin. Tu me le prêtes? Merci, bonhomme. À bientôt. Il joue normalement? En ce moment, c'est vrai qu'il est plutôt calme. Et à l'école? Oh, il est plus sage. Bon, il écoute rien. D'après la maîtresse, il est complètement ailleurs. T'es jamais contente. Avant, il était trop turbulent. Maintenant, il est trop sage. Tenez. Regardez. Vous voyez la différence entre ces deux dessins? Enfin, c'est clair. Là, il n'y a pas de maison, pas de couleur, pas de ciel. Qu'est-ce qu'il a, docteur? Bah, Léo n'a pas réagi en se plantant l'écharpe sous le pied. Et il n'a pas bronché non plus. Je vais retirer. Pourtant, ça fait mal. Très, très, très mal. Même quand on est courageux, monsieur Lucas. Non, j'ai vraiment l'impression que Léo est victime d'une douleur qui le submerge, une douleur qu'il traîne depuis longtemps, je sais pas.
qui l'empêche de réagir. Et pourquoi il a rien dit? Justement, tout le problème est là. Ce serait bien que vous l'emmeniez voir un pédopsychiatre. Un psychiatre? Non mais ça va pas, un gamin de 6 ans chez un psychiatre, Léo est pas fou. C'est quoi la voiture de médecin devant la porte? C'est pour ton frère. Léo? Qu'est-ce qu'il a? Bah, le toubib dit qu'il est complètement dingue, qu'il faut l'emmener chez un psychiatre. Non, j'ai pas dit ça du tout. Le docteur dit qu'il souffre, mais qu'il n'ose pas le dire. Mais c'est quoi ça? S'il avait mal, il le dirait. Bah, évidemment. Parfois, la médecine, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais la médecine, c'est de la merde. Il y a 6 mois, j'ai un accident de moto, et les médecins disaient que je resterais paralysé des 4 membres. Heureusement qu'il s'était planté. Pas encore parti? Bah non, j'habite ici. Quoi? Je me suis arrangée avec le docteur Morisseau. Vous a pas dit? Bah non. Oh, ça a l'air de vous faire plaisir. Non, c'est... Juste que je suis un petit peu surpris. Tu veux dîner? Ah non, c'est déjà fait, merci. T'as déjà dîné? Je mange léger. Une pomme à yaourt par jour, ça me suffit. Avec une tisane. Avec une tisane. Bah méfie-toi des excès, hein. J'ai glissé dans ma cuisine, je suis tombée sur le carrelage. Marie, j'ai besoin de toi. T'as trouvé l'affiche? Oui, je l'ai. Et tu peux me ramener du Sparadrap et des compresses, s'il te plaît? Ça va? Ça va. Ça pique pas trop? Un petit peu. Tiens, tu m'as les haricots, Marie, s'il te plaît. Ça va, Marie? Oui. Sûr? Évitez de vous servir de votre bras quelques jours. On va vous faire un petit bandage, hein. En cas de douleur, je vous prescris un antalgique. Dis-moi, Marie, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure avec Madame Lejeune? Rien du tout. Tu plaisantes, t'as failli tourner de l'œil. Et puis j'ai eu la même impression la dernière fois avec Léo. Mais pas du tout, j'ai pas l'habitude, c'est tout. Comment on peut se faire aussi mal en tombant dans une cuisine? Il nous a menti. C'est une blessure pour parer un coup, pas pour amortir une chute. Quand tu tombes, tu te frappes l'avant-bras dans le sens de la chute. La main vers le coude. Pour parer un coup, c'est une blessure frontale. Courte, d'où l'hématome. C'est sans doute une femme battue. Mais pourquoi vous avez rien dit? Parce que j'en suis pas sûr. Et si je lui avais demandé, elle m'aurait juré que non. Tu sais, c'est humiliant d'avouer qu'on est battu. Hein. On peut pas laisser passer ça. Il faut faire quelque chose. Marie, c'est une femme majeure. La seule chose qu'on puisse faire à la rigueur, c'est essayer de l'amener à parler. Si elle revient, ce qui risque d'être le cas, j'essaierai de savoir pourquoi elle n'a rien dit. Hmm? Bon, là, Marie, je file à ma consultation à l'entrée libre. Tu prends les messages? Mm-hmm. Ah oui, au fait, il y a le docteur Morisseau qui m'a laissé un mot. Il y a un mythomane qui se balade dans le coin. Il va voir les médecins et des commerçants. Il se fait passer pour un proche, puis leur demande de l'argent. Vous inquiétez pas, je saurai le recevoir. C'est pas marqué pigeon, là. Ah, bonjour. Bonjour. Oh là. Pardon, je suis désolée, je vous ai pas. Oh, nom de Dieu. C'est vrai? Ah, ça, c'est l'arcade. Okay. Vous avez la tête à être le médecin remplaçant, je me trompe? Et vous avez la tête à être Nicole, la responsable du centre, je me trompe? Gagné. Bonjour. Bonjour, Nicole. Attends, tout ça. Tiens, tu peux me monter ça, s'il te plaît? Merci. Eh ben. Votre cabinet est par là, suivez-moi. J'installe une bibliothèque pour les petits. C'est très bien, ça. Alors, là-bas, au fond, puis il y a du monde. Là? Ouais. Ah. Oui. C'est quoi, vous dites? Que vous installez une bibliothèque, ouais. Vous avez peut-être besoin de livres. Ah, pourquoi? Vous connaissez un heureux donateur? C'est possible. Alors je prends. Bon, je vais passer un petit coup de fil en fin d'après-midi. D'accord, merci. Papa? Ouais, c'est moi, je peux pas te parler longtemps là. Dis, est-ce que tu aurais des livres à vendre par hasard? Formidable. Non, c'est pour une bonne cause. Bon, si tu pars maintenant, tu seras là pour le dîner. Je t'invite. Ok, à tout à l'heure.
Pourquoi t'es pas rentré? À cause de la folle. De quoi tu parles? Ton assistante, la môme tisonnier. J'arrive, je dis que je suis ton père. Alors, elle brandit un tisonnier et puis elle me fout à la porte en me traitant de malade. Ce qui, entre nous soit dit, n'est pas très délicat de la part d'une assistante médicale. Hein. D'accord. Je crois qu'elle t'a pris pour le mythomane local. Quoi? Je t'expliquerai. Bonjour quand même. Hein. Ça va? Dis donc, je suis embêté. Tous les hôtels sont pleins, j'ai pas trouvé une chambre. Tu rigoles? Quand je t'invite, je te loge. Ouais, mais t'es pas chez toi ici. Ah, t'inquiète pas, la maison est à ma disposition, puis le docteur Morisson vient d'insister. D'ailleurs, Maria s'est pas gênée pour s'installer. Elle habite là, elle aussi? Ah, mais ça promet. Non, t'inquiète pas. Je serai là. Oh, tiens. Voilà les invendus que tu m'as demandé. Tout ça, là. Eh ben, dis donc. Avec autant d'invendus, t'as pas dû vendre grand-chose. Cher Marie, je vous préfère comme cuisinière que comme vigile. Ah, vous avez loupé votre vocation, hein? Vous savez, l'époque de femme à la cuisine, ça fait un moment que c'est fini. Oh, je plaisante. La preuve, j'aide. Et je te conseille de bien t'entendre avec lui, parce qu'il va rester ici quelques jours, hein, tous les hôtels sont complets. Dites pas n'importe quoi, il y a toute la place qu'on veut. Qu'est-ce que t'en sais? Je me suis renseignée pour moi, mais c'est trop cher. Ah bon? C'est trop cher. Ça t'ennuierait de frapper avant d'entrer? Mais ça avait l'air urgent. Vous êtes où? Sur la carpette. Qu'est-ce qu'elle veut? Que vous passiez. Mais vous faites quoi là? Tu vois pas que je compte les moutons sous le lit? Tu comptes assister à l'habillage aussi? Ah oh, pardon. Imagine que je n'ai pas été seule. Et avec qui? C'est moi qui ai fermé la clé hier soir. À moins qu'elle soit passée par la cheminée? Dis-moi, Marie, tu comptes recevoir les patients dans cette tenue? Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Rien du tout. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait une poussée de fièvre cette nuit, j'étais assez inquiète. Mais maintenant, ça va mieux. Léo? Vous voulez bien nous laisser? Merci Léo. J'ai compris. Tu me dis si tu as mal, Léo. Tu sens rien là? Là, ça te fait quelque chose? Bon. Je vais te montrer une petite réglette avec des petits clowns dessus. J'ai besoin de savoir comment tu as mal. Il faut que tu montres celui qui a aussi mal que toi. Celui-là. En fait, ça équivaut à une très forte douleur. C'est pour ça que Léo est complètement éteint. C'est un petit peu ce que je vous disais l'autre fois. Il est submergé par la douleur. Mais pourquoi il le dit pas? On finira par le savoir. D'abord, il faut le soulager, qu'il ne souffre plus. Bon, je vous fais une ordonnance. Et vous m'appelez dès que vous avez les médicaments et on commence le traitement. Je peux pas les donner moi-même. C'est un petit peu compliqué. Bonjour, monsieur. Est-ce que le docteur est là? Ah, désolé, il est parti en visite. Ah,
c'est ennuyeux. Je suis son père, je faisais mes courses dans le quartier. Vous êtes qui ? Le père du docteur. J'ai oublié mon portefeuille, j'aurais voulu qu'il me dépanne. Ah oui, bien sûr, vous inquiétez pas. Venez, venez. Et entrez, je vous en prie. Je ne veux pas abuser. C'est pas tous les jours qu'on a le père de Fabien Cosma en face de soi. Hein. Asseyez-vous. Vous suivez votre fils dans tous ses déplacements ? C'est un peu pesant, non ? Je suis représentant, ça m'est facile. Ah. Vous n'êtes pas dans l'édition, par hasard ? Ah non, moi, c'est l'informatique. Ah. Bah, Fabien, il a des frères, il a des sœurs. Deux frères, trois sœurs. Une belle famille, hein ? Oui, tous avocats, ingénieurs, enseignants. Avec le père qu'ils ont, hein, c'est pas étonnant. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. André Cosma. En quelque sorte, l'autre père de Fabien. Vous allez me dénoncer au flic ? Non, 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 pas. Après tout, bien, vous avez dit de mon fils. Hein. Voilà. Et ne vous croyez pas obligé de revenir. Qui c'est, ce monsieur ? Un ami de la famille. D'habitude, on prescrit cette dose-là pour les soins oncologiques. Qu'est-ce que ça veut dire, oncologique ? Les cancers. Léo a un cancer ? Je n'ai pas dit ça. Simplement, le dosage me paraît énorme. Je vais appeler votre médecin pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur, c'est moi, oui. Oui ? J'ai pas voulu affoler la mère. La douleur de son enfant est extrême. On est dans un palier thérapeutique 3, là. Oui. Bonjour, ta maman et Léo sont là ? Oui, ils sont là-haut. Mais qu'est-ce que vous allez lui faire, Léo ? Bah, d'abord le soulager de sa douleur. Ensuite, essayer de comprendre d'où vient le mal et le soigner. Mais on peut savoir comment vous comptez vous y prendre ? Grâce à mes poudres de perles à papa. Comme les grands sorciers. J'ai faim. Ah, bah c'est bon signe. Tu reprends de l'appétit. Dis-moi, Léo, tu peux me montrer l'endroit où tu avais mal ? Là. Là, tu avais mal ? Oui. Et là aussi, tu avais mal ? Oui. Bon. On va faire des examens ? C'est grave ? Non. Ce qui est grave, c'est quand tu me dis pas où tu as mal. Tu vois, avec ton ours, tu m'as montré où tu avais mal, j'ai pu te donner des médicaments, et tu ne souffres plus. Tu vois que c'est important de dire les choses. Pour les examens, il faut que tu ailles à l'hôpital. Hein. Mais tu verras, c'est rien du tout. On te met une pommade magique pour que tu ne sentes rien, et une heure après, c'est terminé. Léo ? Léo ? T'inquiète pas, Léo. Je vais venir à l'hôpital avec toi. Et je vais leur expliquer aux médecins, je vais leur parler, je vais leur dire que t'as déjà assez souffert. Allez, je te promets une chose. Tu n'auras plus mal. Top là. C'est un serment entre nous. Ah, dites-moi, est-ce que vous avez remarqué si Léo urine normalement ? Peut-être pas, en effet, mais comme il boit moins, je me suis pas inquiétée. Faut lui faire une échographie, hein, faut l'hospitaliser. Qu'est-ce qu'il a ? Sans doute une maladie des reins, mais on en saura plus après les examens. Mais c'était nul à l'hôpital ! Je préférerais avoir un autre avis, quand même. Bien sûr, vous aurez celui du néphrologue, mais là, il faut l'hospitaliser. C'est si grave que ça ? Je sais pas encore. La voiture est là, on a plus le temps d'attendre, je vous emmène ? Oui, mais je vais chercher Léo et téléphoner pour qu'on prévienne mon mari. Très bien. Écoute, c'est très compliqué de soigner ton frère. Il refuse de communiquer. Si tu débines l'hôpital et les médecins, tu m'aides pas, là. J'ai pas confiance en eux. Ils m'ont menti après mon accident et maintenant ils me disent tous les jours qu'ils vont m'enlever cette putain de Minerve. Et ça fait un mois que j'attends. Cette Minerve, elle t'a sauvé la vie. Et l'hôpital sauvera la vie de Léo.
néphrologue. Ah, docteur. Je vous amène un petit 6 ans, rein et abdomen douloureux avec rétention d'urine. C'est urgent. Je m'en occupe. Ah, il est en atonie psychomotrice, il faut absolument pas qu'il souffre. D'accord. Comptez sur moi, je préviens mes collègues. Ouais, bonjour. Donc ça va bien, Cosma? Comment ça se passe? Le cabinet est plein, faut vous dépêcher. Hein. J'arrive là, j'ai mis mon déjeuner. On n'avait pas dans le dessert. Quoi? T'inquiète pas, j'en suis au dessert. Voilà, c'est terminé. Ça va? Oui, oui. Bon, la prochaine fois, vous mettrez des chaussures hein, quand vous passez la tondeuse. D'accord? Très bien. Marie, à toi de jouer, tu vas faire le pansement. Je te laisse un peu seule. Faut que tu prennes de l'assurance. Madame, je vous laisse avec mon assistante. Merci. Non, merci, vous nous avez gâtés. Hein. En même temps, je sais pas si les gens qu'on reçoit ici s'intéressent tant que ça à la cuisson du homard à la nage, hein. Chacun a le droit de rêver. À condition de manger à sa faim. Ne le prenez pas mal. C'est pas si simple de faire le bonheur des gens. Tout s'est bien passé? Eh, ça va aller, allez, levez-vous tout doucement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, elle a regardé ma cheville, elle est tombée dans les pommes. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie? Hein? Bon, bah voilà, vous savez tout. La moindre goutte de sang et je tourne de l'œil. Tu vas t'habituer. Ça risque pas. Toute petite, déjà, j'étais comme ça. Pourquoi avoir choisi d'être médecin? J'ai toujours voulu soigner les gens. Vous savez, je suis une vraie petite sainte sous mes airs revêches. J'ai cru que j'avais la vocation et il y a cette phobie à la con qui m'empêche d'y arriver. Pas ton premier stage. Mais au CHU, c'est pas pareil. On fait la visite avec le patron, on regarde, on touche à rien. On est que dans la théorie. Et pourquoi avoir choisi un stage en cabinet, alors? Pour savoir si je suis capable ou pas. T'aurais dû m'en parler. Pour me faire virer. Déjà que je suis une emmerdeuse, alors si en plus vous aviez su que j'étais phobique... Tiens. C'est un petit chocolat. Je pensais pas que ce serait aussi dur, toute cette souffrance. Il y a aussi des vrais moments de bonheur, hein. Et le petit garçon, comment il va? Je l'ai fait hospitaliser. Atonie psychomotrice, ça dit quelque chose? C'est déjà arrivé de te brûler. Là, tu multiplies par 10. Et tu fais comme si t'avais pas mal. Mais c'est atroce, pourquoi il dit rien? Tout le problème est là. Il s'est coupé du monde. Et vous croyez qu'à l'hôpital? Ça changera rien à son comportement, mais je dois hospitaliser pour les examens. Au moins, il sera sous surveillance. Oui, mais on peut pas surveiller quelqu'un qui a des comportements dépressifs. Mais alors, il y a rien à faire. Si. Il faut pas perdre contact avec lui. Et pour ça, il faut qu'il ne souffre plus. L'hôpital est prévenu. Et vous allez y arriver? Il le faut, non? Léo est malade. Qu'est-ce qu'il a? On ne sait pas. Oh, quand j'ai appris que t'étais à l'hôpital avec Léo, j'ai cru qu'il était mort. Tu pourrais faire attention à ce que tu dis. Depuis l'accident de Mathieu, je supporte plus les hôpitaux. Mais t'es pas forcée de rester. Moi, j'ai l'habitude de soigner mes enfants toute seule. Léo Lucas, c'est lui? Oui. Allez, par ici, mon petit bonhomme. On y va. Où est-ce que vous l'emmenez? En radio. Pourquoi faire? Hein? Pourquoi faire? Une cystographie. Suce plus bien. C'est quoi? Je suis avec vous. Vous ne pouvez pas venir, madame. Les parents ne sont pas admis en radiologie. Si ça se trouve, tu t'es laissé bourrer le mou par le remplaçant, là.
le docteur machin. Écoute, hein, te mêle pas de la façon dont je soigne mes enfants. T'as fait assez de mal comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as très bien comprise. T'inquiète pas, mon grand, tout va bien se passer. On lui a fait une anesthésie locale? Non, pas encore. Il vient d'arriver aux urgences. Je m'en occupe. Non, mais c'est une heure, c'est trop long. J'ai encore 3 scanners et j'ai une conférence à 14h. Bon, faut que je te prévienne que ça va te piquer un petit peu, mais je vais aller le plus vite possible. On y va. Dis donc, cette histoire de bouquin, c'est pas un prétexte pour me faire venir? Et pourquoi j'aurais voulu que tu viennes? Ah, parce que tu peux pas te passer de ton vieux père. Non, 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 j'ai ma petite idée là-dessus. Ça fait 40 ans aujourd'hui. Eh oui. Et tu épouses maman? Ouais. En tout cas, je te remercie d'y avoir pensé. C'était pas un jour pour rester seul. Hein. On se fait un petit gueuleton? Qu'est-ce que tu dirais d'un petit colombo de porc aux Christophine? Avec des petits oignons verts. T'as retrouvé la recette? Attention, hein, là, t'as pas droit à l'erreur. 2 brins de cive, 2 clous de girofle. 6 gousses d'ail, du piment et du safran. Et un zeste de combava. T'inquiète pas, j'ai retrouvé le cahier de recettes de maman, c'est mon livre de chevet. Alors, filet mignon? Ah non, 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 non. Ta mère, elle prenait toujours des chines. C'est plus persillé, c'est plus goûteux. Va pour les chines, alors. Et les Christophines. Et à Carbon, des gros courgettes. Et pour le combava? Laisse tomber. Oui, d'accord. Bon. Tu sais, c'est dans des moments comme ça que maman me manque. Oh, tu sais, elle doit pas être très loin. Je suis sûr qu'elle nous voit, là, en ce moment, tous les deux, avec notre petit caddie. Elle doit trouver que j'ai changé, non? Je suis sûr qu'elle est fière de toi. Excusez, mademoiselle. Ah non, non, papa, ce soir, c'est moi qui t'invite. Non, 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 c'est nous qui t'invitons. Non, 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 vraiment, j'y tiens. Non, ça me fait plaisir. Je suis désolée, monsieur, votre carte ne passe pas. Comment ça, elle passe pas? Tenez. Ah non, non, attends, attends, non, attends. Non, allez. Laisse, toi. Je m'appelle Tom. Qu'est-ce que t'as au bras? Je me suis brûlé, je le bras gris comme une saucisse. Toi, tu le dis quand t'as mal? Même des fois, je dis que j'ai mal alors que c'est pas vrai. Pourquoi? Pour avoir des bonbons. Mais attention, hein, quand tu dis que t'as mal, des fois, ils te font une piqûre. Moi, je dis jamais que j'ai mal. Marie? Marie? Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. T'abandonnes? Uniquement parce que t'as retourné l'œil de mon patiente? Pas seulement, c'est aussi à cause de Léo. À cause de Léo? Si j'avais été médecin, je passais complètement à côté de sa maladie. Troisième année, moi non plus, je n'aurais pas su. J'ai pas l'impression que dans 3 ans, je saurais mieux. Ton problème, c'est ta phobie du sang. C'est pas en fuyant que ça va s'arranger. Et je fais comment pour que ça s'arrange? On y va doucement. On évite les cas les plus gores et on fait le point dans 3 jours. D'accord? Écoute, Marie. T'as un super bon contact avec les patients. Bah si. C'est ça qui fait les bons médecins.
Ça suffit pas. Bah, c'est essentiel. La médecine, c'est 50% de connaissances et 50% de psychologie. Ok. Non. Ben vous m'avez accordé un découvert, oui ou non? Comment ça allait dépasser? Alors qu'est-ce que je fais, moi, sans carte bancaire et sans carnet de chèque, hein? Papa, tout va bien? Ouais, oui, ça va, ça va. Ton papa, c'est le problème d'argent, je peux te dépanner. Hein. J'ai goûté aux portes maintenant? Non. Je n'ai absolument aucun problème d'argent. C'est juste les banques qui font n'importe quoi. Papa, si t'as pas de problème d'argent, pourquoi t'es pas descendu à l'hôtel? Ils sont tous libres. Ben vas-y, dis que je suis un menteur pendant que tu y es. Non, mais si tu penses que je serai mieux à l'hôtel, je pars ce soir. Hein. Tu vas voir si j'aurai pas de quoi payer. Papa, c'est pas ce que je voulais dire. Attends. Attends. La médecine, c'est combien déjà? 50% de psychologie? Léo? Ça va, Léo? Hé, hey, bonhomme. Ça va? Léo? Dis-moi ce qui s'est passé. Il est comme ça depuis qu'il est revenu de sa cystographie. Il y en a qui supportent mal. Mais il a été anesthésié quand même. J'en sais rien. Vous savez ce que c'est qu'une cystographie? On vous pique dans la verge une aiguille grande comme ça jusqu'à la garde pour injecter un liquide dans la vessie. Vous savez ce que ça représente pour un gamin de 6 ans? Mais je vous dis que j'en sais rien. Vous n'avez qu'à demander à Katia, l'anesthésiste. Ce matin, elle tient la permanence d'hospitalité. Le sauvage. C'est bien gardé de me le dire qu'il faisait ses cystographies sans anesthésie, tiens. Mais vous êtes pourtant collègue. Oh bah oui, mais ça change rien. Ils sont tous d'accord pour dénoncer la douleur, mais dans les actes... Ah, c'est autre chose. Pourquoi vous croyez qu'on a fondé cette association? On reçoit des témoignages effarants. Des ponctions lombaires pratiquées sans antalgiques. Des médecins qui refusent d'administrer de la morphine à de jeunes enfants. Voilà. Là, c'est un anesthésiste qui nous écrit. J'ai beaucoup de soucis avec le chef de service ORL qui refuse tout anesthésique autre que le paracétamol. Ah, c'est révoltant. Il s'appelle comment le radiologue? Bulot. Attendez, attendez. Je vous accompagne. Vous avez dit que ce gosse était atonique. Non, mais ça va, je sais. Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas que ce gosse me faisait confiance et je lui avais promis qu'il ne souffrirait pas. Mais j'ai fait le plus vite possible! D'ailleurs, il n'a même pas pleuré. Je vais vous dire qu'il était atonique et il a souffert. Vous êtes drôle, vous, les généralistes. Vous dites aux gens, venez à l'hôpital, je vous promets, vous souffrirez pas. Mais à l'examen médical, c'est pas anodin. Arrête. Quand tu fais une coloscopie, tu m'appelles et j'endors. Pourquoi tu traites les enfants autrement? C'est pas pareil, c'est des mômes. Comment ça, c'est pas pareil, c'est des mômes? Enfin, vous savez très bien qu'ils souffrent comme nous. Ils ont souvent plus peur que mal. C'est des conneries. Un gosse souffre autant qu'un adulte. Puis s'ils ont peur, demander à leurs parents d'être là, ça les rassurera. Ouais, c'est pire, les parents paniquent, les enfants hurlent deux fois plus. S'ils paniquent, c'est qu'ils ne comprennent pas, il faut leur parler, leur expliquer. Mais vous êtes médecin, merde! Désolé, j'ai pas le temps de passer des heures à faire des discours, simplement pour une cystographie. Mais dis-le-lui, Katia! Pas simplement pour une cystographie. Simplement pour qu'un enfant ne souffre pas. Et Bulot, c'est pas le pire. Je peux vous dire qu'en tant qu'anesthésie, j'ai tout entendu. Entre ceux qui considèrent que les enfants jouent la comédie, ceux qui sont persuadés que les nouveau-nés n'ont pas de système nerveux terminé. Il y a même des services où ça rassure d'entendre pleurer les enfants. Pourquoi? Parce que, dans un hôpital, quand il y a un silence, ça veut dire que quelqu'un est mort. Léo, je te présente Katia. C'est la fée antidouleur. C'est à elle qu'il faut que tu le dises quand t'as mal. Et puis, tu verras, quand on ira, t'auras plus mal. Bonjour Léo. Léo, je sais, je t'avais promis que t'aurais pas mal, et puis bah, on t'a fait mal. C'est ma faute, je m'en pardonne. Mais il faut que tu continues à me faire confiance. Parce que la douleur, tu vois, c'est comme une bête horrible. Il faut la tuer, sinon c'est elle qui te mange. Parce qu'elle attaque, en douce comme ça, sans faire de bruit. Oui, et même des fois, les docteurs, ils savent même pas qu'elle est là. C'est pour ça qu'il faut crier, Léo. Tu cries quand t'as mal. Et puis si on t'entend pas, bah, il faut crier encore plus fort. Et surtout jamais se taire. Léo,
T'as peur de crier quand t'as mal? Oui. T'as peur qu'on te gronde? Non. Bah alors, t'as peur de quoi? Léo, si c'est un secret, il faut que tu le partages avec quelqu'un. C'est très 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 important. Avec Tom? C'est qui Tom? Ton copain? Oui. Léo aussi, il est malade. Il a le bras grillé comme une saucisse. Comme une saucisse? Alors dis-le lui à Tom. Dis-lui ton secret. Tiens. Regarde ça. Ça, c'est pour me montrer si t'as un tout petit peu mal. Ou si au contraire, t'as très 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 mal. Tu sais compter jusqu'à 10. Ben, plus t'as mal et plus tu mets un gros chiffre. Ça me permettra de te donner le meilleur médicament pour te soulager. D'accord? Tiens. Cadeau. Salut Léo. Bon Léo. Ben, c'est pas gagné, hein. T'es encore bloqué? C'est bien la première fois que j'ai envie d'entendre un gamin crier. C'est curieux ce blocage. Il a dû se passer quelque chose, non? Peut-être dans sa famille? Ouais, c'est bizarre. Faut que je retourne voir ses parents. Bah ouais, c'est une bonne idée. Le terme médical, c'est l'atonie psychomotrice. Vous avez une idée de ce qui aurait pu déclencher ça? Non. Non? Ça peut avoir un rapport avec mon accident? Peut-être. Et après son opération, il sera guéri? De la maladie de Serin, oui. Pour le reste, il faudrait savoir ce qui s'est déclenché dans sa petite tête. Enfin, pour l'instant, il faut finir les examens. Et ce serait bien que vous soyez là, tous les deux. D'accord. Je vois pas très bien ce que j'y ferai. Bah, Léo serait rassuré d'avoir son papa avec lui. Bah, rien ne vous oblige. J'ai pas l'habitude de me défiler. Alors, pourquoi t'es pas venu me voir? Hein? C'est à cause des horaires en réanimation. Le dimanche? C'est ta mère. C'est ta mère qui voulait pas. Quoi? C'est vrai, ça? Eh ben, dis-lui que c'est toi qui me l'as interdit. Ah ouais, je te l'ai interdit. Tu sais très bien que j'avais de bonnes raisons. J'irai voir Léo. On peut parler argent sans se disputer. Mais pas sûr. Si je te dis pourquoi je suis dans une mauvaise passe. Toujours. J'ai prêté une grosse somme d'argent à un copain, il peut pas me la rendre, voilà. Classique. Bah, tu vois, je t'ai pas engueulé. Je t'ai pas dit combien. Écoute, je vais dépanner. Ah non, 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 il n'est pas question. D'abord, je sais pas quand je pourrais te le rendre. Tu pourras. Et ensuite, j'ai passé l'âge de demander de l'argent à mon fils. Bah écoute, papa, tu sais très bien qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Bon, on fait quoi, là? Bah, il finira bien par me le rendre, cet argent. Et puis en attendant, les banques feront le relais, c'est à ça que ça sert, non? Écoute, papa, t'as plus de chéquier, t'as plus de carte bancaire. J'ai arrangé le coup pour la carte. Je te crois pas. Bah, tant pis pour toi. Je savais bien qu'on allait finir par s'engueuler. Les pécules que maman t'a laissé, tu l'utilises au moins? Mais bien sûr. Ouais, bon, en tout cas, tu restes à la maison. J'ai quand même la permission d'aller entrer libre, hein? J'ai promis de leur donner un coup de main pour mettre leur bouquin en fiche. T'es jolie. Tiens, on rentre à la maison. Jean-Abel. Oh, dis donc, t'en as un joli petit chaton. Hein? Il a les yeux bleus comme toi. Comment il s'appelle? Sonate. Sonate? Attends, j'ai quelque chose pour toi. Je reviens. Hein. Attends-moi. Viens, Mimi. Attends le monsieur. Il faut pas te cacher. Ils vont pas te manger. Tu veux que je te chante une chanson? C'est sur les chats. Tu connais? Tiens. Mais lis-le. C'est un livre sur les chats. Tu apprendras à les soigner, à les nourrir, tout ça. Mais tiens, prends-le, c'est à toi. Décidément, pas de chance avec mes livres. Vous savez pourquoi elle n'en veut pas? Parce qu'elle sait pas lire. Elle va pas à l'école? Non. C'est obligatoire. Ouais, les vaccinations aussi, c'est obligatoire. Pourtant, il y a encore des gens qui meurent du tétanos. Il n'y a rien à faire? Si,
vacciner les gens qui n'ont pas accès aux soins. Et apprendre à lire aux gosses qui n'ont pas accès à l'école. Je laisse tomber. Vous manquez de pratique, c'est tout. Mais vous voulez quoi? Que je fasse un stage chez un boucher? Non, non, mais vous devez vous habituer. Non, laissez tomber, je ne serai jamais médecin. Vous me rappelez Fabien, il disait la même chose. Mais lui, c'était la mémoire. Il mettait des pense-bêtes partout, il y en avait jusque dans les toilettes. Et je me souviens d'un post-it collé sur le frigidaire, la définition du muscle lévogyre. C'est quoi ça déjà? C'est le muscle qui fait tourner l'œil vers la gauche. Vous voyez, vous êtes doué pour la médecine. À ne pas confondre avec le muscle qui fait tourner de l'œil. Très drôle. Bon, c'est pas tout ça, mais si on veut dîner, hein. J'ai besoin du père pour la cuisine et du fils pour la médecine. Je suis vraiment trop bonne à rien. Mais faut toujours éplucher les légumes, ça nous avancera. Hein, voilà. Perdez pas le nord, vous. Et au fait, qu'est-ce que tu penses de Nicole? C'est une femme formidable. Pourquoi? Tu veux l'épouser? J'ai l'impression qu'elle me cherche. C'est sa façon de faire connaissance. Mmh. Elle trouve toujours un truc à dire sur ce que je fais. Elle veut tester, elle veut savoir si ta générosité n'est pas feinte. C'est quoi, générosité feinte? Des gens qui font ça pour la frime, pour se donner bonne conscience. Tu sais, on voit tous les jours. Hein. Faire 300 bornes pour lui faire cadeau d'une tonne de livres tout neufs, c'est de la frime. Ah bah dis donc, je sais pas ce qu'il faut être à Nicole pour avoir sa confiance. Que je lui apporte Sœur Emmanuelle sur un plateau. Déjà, c'est pas ma Nicole. Et puis, tu sais, elle fait peut-être ça pour sa paroisse aussi. Comment ça? T'es peut-être pas insensible à ton charme. Elle veut en savoir plus. Ah ouais, ça doit être mon côté Paul Newman. Exactement. Elle te teste. Étonne-la. C'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Bonne nuit. Et bonne nuit. Oui, bonjour, je suis Fabien Cosma. Je sais que vous avez mon père comme client. Ouais, j'aimerais savoir s'il y a eu des mouvements sur le compte où ma mère a laissé des fonds. Non, je vous demande pas un chiffre précis, c'est juste pour savoir s'il reste de l'argent. Comment ça? Vous me dites que jamais personne n'a retiré d'argent dessus? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qui vous est arrivé, madame Lejeune? J'ai glissé en sortant de la douche. Quand est-ce que vous allez me dire la vérité? Vous savez les risques que vous prenez à rester avec un mari violent? Chaque fois, il dit qu'il va s'arrêter, puis chaque fois, c'est pire. Vous portez plainte. Tout le monde me tombera dessus. Il va perdre son travail, j'ai pas le droit de faire ça. Et lui, il a le droit de vous frapper. Personne ne vous en voudra dénoncer un mari violent. Qu'est-ce qui se passera après? Sans maison, sans ressources, comment je fais, moi? Vous êtes si gentil. Il finira par s'arrêter. Uniquement s'il accepte de se faire soigner. Ça, il n'acceptera jamais. Alors, il faut porter plainte. C'est impossible, ça. C'est lui qui reçoit les plaintes. Les gendarmes. Attendez, je vous raccompagne. Oui, allô? Allô, docteur Cosma? Oui, bonjour, c'est Katia, l'anesthésiste. Le néphrologue est pas content des clichés, il a demandé une deuxième cystographie. C'est pas vrai. Alors, Léo est en pleine crise et on n'arrive pas à le calmer, là. Bon, ne le brusquez pas, j'arrive. Marie, je file à l'hôpital. Léo est en pleine crise. Tu fais patienter? Et je fais quoi, moi? Un striptease? Ah non, pour ça, t'attends que je sois revenu, d'accord?
Laissez-moi seul avec Léo, s'il vous plaît. Calmez-vous, d'accord? Je pars pas si elle part pas. Très bien, vous voulez bien sortir? C'est clair? Ok? Vas-y, monsieur. Non, me touchez pas. Très bien, je vous demande de sortir, je vais m'occuper de votre enfant. D'accord? Vas-y. Docteur, fermez la porte derrière. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Léo, je te promets que cette fois-ci, tu n'auras pas peur. Je comprends que tu as eu mal. On va te donner un médicament qui empêche la douleur. Tu vas voir. C'est même pas une piqûre. C'est juste un gaz qu'on respire et qui donne envie de rire. Regarde. Je te montre avec le nounours et après, ce sera ton tour. Tu vois? Ça, c'est une poche dans laquelle il y aura du gaz qui fait rigoler. On va le mettre sur ton visage, comme ça. Qu'est-ce que tu veux comme parfum? Parce qu'il y a fraise ou il y a vanille? Fraise. Ok, va pour fraise. Donc, on mettra un masque à la fraise. Et quand tu l'auras sur le visage, comme ça, tu souffles le plus fort possible. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait tourner les hélices de l'avion. C'est pas chouette? On essaie? À toi de jouer, Léo. 1, 2, 3. Super! Allez-y, entrez. Vous allez voir, tout va bien se passer. L'anesthésiste va lui faire respirer un gaz pour le détendre et l'empêcher de souffrir. On lui a fait la démonstration tout à l'heure dans la chambre. Arrête. Arrête, c'est de la comédie. Arrête, j'ai encore rien fait. C'est parce qu'il a peur. Laissez-le-moi. Peur de ce que vous lui avez déjà fait, docteur. Ça va, Léo? Bon, vous pouvez pas rester là, je suis désolé. Si vous voulez, vous pouvez attendre dans le couloir. Si les parents veulent assister à l'examen. Non, mais je crois que je vais pas rester. Merci d'être venu, c'est très important pour Léo. La porte reste ouverte, venez quand vous voulez. Ok, d'accord. Tu vois la bouteille, là? Le gaz qui fait rigoler, il est dedans. Donc tu mets le masque, tu respires à fond, tu souffles 3 fois, voilà, et tu te détends. 1, 2... Et voilà! Ça va? Tu es tendu? Tu es bien? C'est une hydronéphrose, une malformation du rein. C'est grave. Ça pourrait l'être si on n'intervient pas tout de suite, mais comme on l'opère après-demain, tout va bien se passer. Je voulais vous remercier. C'est grâce à vous, il n'a pas souffert pendant l'examen. Vous savez, on lui a expliqué tout ce qu'on allait lui faire, on a fait une anesthésie locale. D'ailleurs, ça devrait jamais se passer autrement. Je m'excuse pour Fabrice, il me fait honte. Vous savez, il ne sentait peut-être pas très à l'aise. Faut le comprendre. Il aurait pu attendre la fin de l'examen, quand même. Depuis que vous lui avez empêché de voir Mathieu à l'hôpital, il s'est peut-être plus sur quel pied danser. Vous savez pourquoi je voulais plus qu'il vienne voir Mathieu? Non. J'avais peur qu'il le tue. Ce que vous dites? Vous avez bien entendu. Quand Mathieu était dans le coma, j'ai surpris une conversation entre lui et un ami. Elle a dit qu'il ne supporterait pas que son fils devienne un légume et qu'il irait le débrancher lui-même. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas, dit. Il était peut-être sous le coup de l'émotion. Il sait que vous l'avez entendu? Non. Vous devriez peut-être lui en parler. Hmm? C'est trop tard. Vous savez très bien qu'il n'est jamais trop tard pour s'expliquer. Bonjour. Bonjour. Ils vous attendent. Bien. Au revoir, madame. Au revoir, docteur. Très bien. Alors maintenant, on va attaquer la deuxième phrase. Macha, viens. Alors, syllabe après syllabe. Hein. Non, 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 qu'est-ce que c'est que cette lettre-là? C'est normal qu'elle ne comprenne rien. Le doigt. Oui, un peu de silence, s'il vous plaît. Tiens, Amine, viens voir. Qu'est-ce que c'est cette phrase-là? C'est. Quoi? Amine, qu'est-ce que c'est ça?
Ça devait être merveilleux, un papa comme ça, pour vous apprendre à lire. Bon, tout le monde en même temps. Tu parles. Non. T'es jamais là quand on rentrait de l'école, quand par hasard il tombait sur une mauvaise note. J'explique pas ce qu'on prenait. Clarouti, oh. Putain. Ah, bravo. Pourquoi t'as pas touché à l'argent que maman t'a laissé? Qui t'a dit ça? La banque. La banque, mais de quel droit? C'est mes affaires. Attends, t'oublies que j'ai une procuration sur le compte. Bah justement, cet argent c'est pour ta sœur et toi. J'en ai pas besoin, pour ma part. Non, 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 il n'y avait pas question. Papa, je gagne bien ma vie. J'ai pas besoin de cet argent, prends-le. Bon, bah écoute, je vais le dépenser, pas grave. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas. Ce que je veux, c'est à moi. Peut-être m'acheter une voiture, tiens. Une voiture de sport, genre décapotable. Mais tu viens juste de changer de voiture. Ouais, je... J'avais complètement oublié, t'as raison. Peut-être m'acheter un piano. Ah ouais, ça me manque la musique quand je suis tout seul, tu vois, un petit piano, là. Non, mais tu vas pas te trimballer un piano à chacun de tes remplacements. De toute façon, tu sais pas en jouer, alors. T'as encore raison. Tu vois que j'ai vraiment pas besoin de cet argent. Donc tu te fous de moi? Tu sais quoi, comme je ne veux pas de cet argent et comme tu n'en as pas besoin, eh ben je vais donner à l'entrée libre, ils sont très contents. Tu te souviens de ce que disait souvent maman? Écoute tes enfants, ils portent ma sagesse. Oui, mais un jeune qui manque. Hein. Peut-être qu'il va pas t'endormir, ça arrive. C'est vrai? Des fois aussi, il coupe. Il coupe quoi? Pour mon bras, si ça avait été plus grave, il l'aurait coupé. Tu crois qu'ils vont me la couper? Hé, hey, mademoiselle, rangez-vous sur le côté. Et le casque? Ouais, mais je viens de la pharmacie, je vais chez le docteur, c'est à deux rues. Non, trop tard. Allez, soyez cool, je suis étudiante, j'ai pas une thune. Oh, merde! Ça, c'est pour le défaut de casque. Et ça, c'est pour l'attestation d'assurance. Mais je suis assurée! Ouais, mais vous n'avez pas affiché la vignette. Oh non, ça va me coûter un max, hein. C'est de l'acharnement. Hein. C'est vous l'adjudant, chef Lejeune? Mmh. Et vous ne tapez pas dessus? Non, parce que son truc, c'est de frapper les filles. Il vous a pas dit? Ça suffit, mademoiselle. Non, mais vous saviez pas qu'il tabasse sa femme? Et il voudrait me faire la morale? Pouh, pauvre malade, tiens, vous devriez être en tôle. Petite salope! Elle va me la payer cher. Tu vois, je coupe là. Et là, je répare le petit canal qui est bouché, puis je referme, et c'est terminé. Tu sentiras rien du tout, tu dormiras. Avant de t'opérer, j'ai besoin de savoir quelque chose. Est-ce que tu as mal au ventre en ce moment? Quand tu fais pipi, est-ce que ça te brûle? C'est très important, Léo. Quand tu fais pipi, est-ce que c'est rouge? Non. Très bien. Alors à demain. Dis-moi, tu as parlé à Tom? Tu lui as dit pourquoi tu ne disais rien quand t'avais mal? Et à moi? Tu veux bien le dire aussi? Parce que j'avais peur que Mathieu meure. C'est à cause de moi qu'il a eu l'accident. Pourquoi à cause de toi? On s'est disputé et il est parti en moto très fâché. Et il a roulé trop vite. C'est pour ça que tu as décidé de ne rien dire quand t'avais mal? C'était ta punition pour que Mathieu guérisse. C'est pour ça que tu disais rien. Léo. Et dis-moi, maintenant quand tu as mal,
Est-ce que tu le dis? C'est important, Léo. Regarde-moi. Je vais demander au chirurgien qui a opéré Mathieu s'il peut lui enlever sa Minerve, lui en mettre une uniquement pour la nuit. Et ça changera quoi? Bah si Léo voit son frère guéri, peut-être qu'il arrêtera de se punir. Faudra aussi l'emmener voir un psychologue quand il sortira de l'hôpital, parce que j'ai l'impression que c'est un enfant qui accorde aussi beaucoup d'importance à ses angoisses. Et Léo m'avoue autre chose. Il a peur que vous vous sépariez. Si je peux me permettre, quand Mathieu était à l'hôpital, vous êtes beaucoup disputé, non? Alors Léo pensait que s'il tombait malade à son tour, vous alliez recommencer. C'est pour ça qu'il disait rien. En fait, c'est un enfant qui a besoin d'être rassuré. Donc ce serait bien que vous lui parliez, que vous lui expliquiez. Lui expliquer? Lui expliquer quoi? Hein? Je comprends rien moi-même. Sylvie me reproche de ne pas m'occuper de mes enfants et en même temps, je j'avais pas le droit de m'approcher de Mathieu. Toi, tu peux expliquer? Bon, ben, vous voyez, il n'y a rien à comprendre. Le docteur est pas là, vous voulez entrer et l'attendre? Pourquoi est-ce que vous avez accusé mon mari de me frapper? Mais je... Et devant un collègue en plus, à cause de vous, il a recommencé. Non, madame Lejeune, c'est pas de ma faute. Si votre mari vous bat, vous le savez très bien. C'est lui qu'il faut dénoncer. Vous allez subir ça encore pendant combien de temps? J'ai mal. Il faut que vous alliez à l'hôpital pour faire constater vos blessures. Non. Si, si, installez-vous. Installez-vous, j'appelle un taxi. Le service de médecine légale pour que vous portiez plainte. Allez, courage, c'est la fin du cauchemar. Bonsoir Fabien. Ça m'arrive. Un particulier? Florence Lejeune est passée. Qu'est-ce qu'elle voulait? Ça m'arrive à recommencer? Oui. J'ai pris sur moi de la faire hospitaliser. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait? Non, rien de grave. Non, c'est pas ça, mais j'ai réussi à la convaincre d'aller à la médecine légale. J'ai même appelé un taxi pour qu'elle y aille directement. Je crois qu'il fallait faire preuve d'un peu d'autorité, elle en avait besoin. Oui, bonsoir. Passez-moi le service de la médecine légale, s'il vous plaît. Ils ont admis personne au nom de Florence Lejeune? Bah, c'est pas possible. J'ai même payé le taxi pour pas qu'elle se défile. Attends, on peut pas faire les choses à la place des gens, Marie. Il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi elle est venue jusqu'ici si elle n'avait rien? Vous voulez me parler? Comment ça, vous voulez te parler? Je me suis fait arrêter par son mari ce matin. Il m'a collé un PV. Tu l'as pas accusé, quand même, de frapper sa femme? J'ai pas supporté qu'il me fasse la morale. Mais ça va pas, non? Tu te rends compte de ce que t'as fait? Tout ce qui se dit à l'intérieur du cabinet médical doit rester un secret absolu, c'est clair? T'imagines les conséquences que ça peut avoir? Désolée, c'était plus fort que moi. Qu'est-ce que je peux faire? J'en sais rien. Attendre. Attendre qu'elle revienne. Si elle revient. Fabien m'a raconté. Mais je sais, c'est dur, mais il faut vous surmonter ça. Déjà que je suis pas fichue de soigner les gens, mais là, c'est pire que tout. Vous avez fait votre première erreur professionnelle. Faut l'assumer, ma petite Marie. Il aurait pu la tuer. Avouez, franchement, j'aurais dû y penser. Je suis trop nulle. Vaut mieux que j'arrête tout. Et ça me rappelle le jour où Fabien a perdu son premier patient. Qu'est-ce qu'il a pleuré? Ça l'a pas empêché d'être un bon médecin. C'était sa faute? Probablement. Il n'avait pas su faire le bon diagnostic, ni le bon geste. C'était un patient de quel âge? Très jeune, un bébé. Oh merde! Comment c'est arrivé? Le coup classique, t'es tombé du nid. T'as un moineau, je crois. Enfin, un bébé moineau. Et Fabien avait 10 ans. Vous croyez que j'ai le cœur à plaisanter? Mais non, pourquoi? Que je plaisante. Cette histoire l'avait rendu plus fort, plus responsable.
Ça l'avait fait mûrir. Ah, papa. Marie, c'est pas levé, j'aime pas ça. Laisse-lui le temps de récupérer. Tu crois pas que je suis allé un petit peu fort hier soir? Non, t'inquiète pas. J'ai eu l'occasion de lui parler un petit peu. D'accord. Ah, Marie, bonjour, ça va? Oui. Dis, il faut que j'aille à l'hôpital, donc tu prends ton temps. Hein. Mais j'ai par contre une consultation avec un bilan à faire dans la matinée. Si tu veux bien t'en occuper sous ma direction, tu me rejoins chez le patient dans 2 heures. Je t'ai laissé l'adresse. D'accord. Dis donc, papa, qu'est-ce que tu lui as raconté, hein? De rien, histoire d'oiseau. Excusez-moi, où est passé Léo? Il est dans sa chambre. Ah non. Je lui ai fait un soin il y a un quart d'heure. Bah ouais, mais... Il est sûrement aux toilettes. Léo? Bon. Il a disparu? Comment ça, il a disparu? Madame Berthier! Madame Berthier! Vous n'avez pas vu le petit Léo? Il n'est plus dans sa chambre. Vous avez regardé dans les toilettes? Il n'y est pas. Je l'ai quitté il y a à peine un quart d'heure. Mais il a peut-être pris l'ascenseur. Vous croyez qu'il a pu sortir? Écoutez, je vais aller voir à l'accueil pour voir s'ils n'ont pas vu passer. Bon, nous, on fouille l'étage. Toutes les chambres, les toilettes, partout. Allez, hop! Un gosse tout seul, ça se remarque, je l'aurais vu. Je sais pas, il est petit, il a pu se faufiler, non? Je regardais les bandes vidéo et ça m'étonnerait. Il n'y a personne à l'étage, mais j'ai appelé la police, ils vont patrouiller autour de l'hôpital. De toute façon, si le gamin est parti à pied, il n'ira pas loin. Moi, c'est vous qui avez vu Léo en dernier. Il n'avait rien remarqué, il ne vous a rien dit? Non, il avait l'air complètement absent. Vous voulez dire que Léo a disparu? Qu'est-ce qui se passe? On a enlevé Léo. Quoi? Non, personne n'a enlevé Léo, il s'est sans doute caché et on le cherche. Toi, qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Il a quitté sa chambre et on ne sait pas où il est. Calmez-vous, monsieur. Ils voudraient que je me calme, alors qu'ils ont perdu mon gosse. Pourvu qu'il soit pas sorti sans manteau, avec le temps qu'il fait. Mais écoutez, je pense pas qu'il ait quitté l'hôpital, on va le retrouver très vite. J'y vais, je retournerai tout s'il le faut, mais je le retrouverai. C'est le cas. Pour l'instant, vaut mieux que vous restiez là. La police a été prévenue, tout l'hôpital est mobilisé. Faut attendre. Pendant qu'il a besoin d'aide et qu'il est tout seul, non. Comment voulez-vous qu'on reste là, attendre sans rien faire? Léo s'est téléphoné? Bah oui, il connaît le numéro. Bon, il peut essayer de vous joindre, il faut que vous soyez là. C'est votre faute tout ça. C'est vous qui avez insisté pour qu'on l'emmène à l'hôpital. Écoutez, monsieur Lucas, calmez-vous, on va le retrouver, je vous le promets. D'accord. Il y a intérêt. Parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, je vous tiens pour responsable, je suis clair. Oui, le service pédiatrie. C'est le docteur Cosma, vous avez du nouveau? Bon, je vais chez un patient, je rappellerai plus tard. Tu l'auscultes, tu prends sa tension artérielle et tu lui commentes les résultats. Vous les avez lus? Non. Ça a pas l'air d'aller. Léo a disparu et tout l'hôpital est en ébullition. Merde! Ça va pas, mademoiselle? Vous faites une drôle de tête. Oui, oui, moi, ça va bien. Bien sûr. Non, c'est... J'ai chaud. Votre cholestérol LDL est beaucoup trop élevé. Les triglycérides aussi. Et quant au gamma GT, il y en a beaucoup. Il me reste combien de temps à vivre, docteur? On va reprendre ça tout de suite, hein? Oui, allô?
Docteur Cosma, c'est... Oui. C'est Madame Berthier, la surveillante de l'hôpital. Vous l'avez retrouvée? Non. Non, c'était pour vous dire que l'accueil avait visionné les bandes de vidéo et ils n'ont pas vu Léo. Bon, bah ça nous laisse espérer qu'il est encore à l'hôpital, alors. Oui, à moins qu'il ne soit sorti par l'arrière. Là, jamais vous trouvez. J'ai amené des friandises, tiens. J'ai froid. Tu peux pas avoir froid, t'es tout chaud. J'ai soif. Si tu bois, tu vas avoir envie de faire pipi. Non, ça fait trop mal. Tu devrais manger quelque chose. J'ai pas faim. De tourner en rond comme ça. J'arrive pas à tenir en place. J'ai envie de prendre la voiture, de chercher n'importe où, de me rendre utile, de... Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça me rassure de te voir aussi inquiet. J'avais peur que tu te fiches des enfants. Non, mais tu dis n'importe quoi. Non. J'avais même peur du pire. C'est pour ça que je voulais pas que tu t'approches de Mathieu quand il était à l'hôpital. T'avais peur de quoi? T'as oublié, peut-être. Peur que tu le tues. Non, mais ça va pas, la tête est devenue complètement folle. Non, non. Non, je suis pas folle. T'as pas dit à Pierre que tu supporterais pas de voir Mathieu se transformer en légume? Que t'irais le débrancher toi-même, tu l'as pas dit? J'ai dit ça parce que... T'as voulu tuer ton fils. Mais j'aurais jamais fait un truc pareil, jamais. Alors pourquoi tu l'as dit? Mais j'ai dit ça parce que je l'aimais, parce que j'avais pas envie qu'il soit diminué. Une chose pareille. Je veux retrouver mon petit garçon. Mais on le retrouvera, je te jure, on va le retrouver. Je te le promets. Bonjour messieurs, je suis le médecin traitant du petit Léo. Vous avez des nouvelles? Toujours rien, docteur. Les collègues de la brigade cynophile viennent d'arriver. En tout cas, s'il est dehors par cette température, il ne passera jamais la nuit de gamin. Oh, merci. Ah, vous avez du nouveau? Ben non, rien. Bon, vous allez chercher partout. Mais oui. Mais il est bien quelque part, merde, c'est pas possible ça! Allez, rentrez chez vous, vous ne pouvez rien faire de plus. Et puis, vous avez vos patients. Cabinet médical, j'écoute. Je suis Madame Lejeune. Oui, Madame Lejeune. Il faut que le docteur vienne tout de suite. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Allô? Madame... Vous êtes sur le répondeur de Fabien Cosma, je ne suis pas là, vous pouvez laisser un message. Oui, c'est Marie. Madame Lejeune vient d'appeler, elle va pas bien. Qu'est-ce que je fais? Allô, les pompiers? Les sapeurs-pompiers vont vous répondre. Ne quittez pas. Les sapeurs-pompiers vont vous répondre. Oh.
Madame Lejeune ? Attendez, Madame Lejeune. Réveillez-vous. Madame Lejeune. T'en es bien tiré, bravo. Oh. Oula, ça va? Ouais. Ouais, ouais, ouais. T'es sûr? Vous savez quoi? La vue du sang m'a rien fait. Mais alors? Rien du tout. C'est parce que t'étais dans une situation d'urgence. Tu crois? Je vous ai tutoyé, là. C'est parce que tu commences à devenir un petit peu médecin. Et le gendarme, il va s'en tirer? Le parquet va porter plainte et là, je crois qu'il va plonger. Je te dis à tout à l'heure. Allez, bonne route. Trop envie de faire pipi. Chut. J'ai mal. Tes doigts vont venir. Ça m'est égal, j'ai trop mal. Qu'est-ce qu'ils vont te faire s'ils t'attrapent? Faudrait transférer tout ça avant lundi au local 3. Dans les nouveaux bâtiments? Ouais. Juste en dessous de la maternité. Et la livraison pour la radiologie? Qu'est-ce qu'on en fait? On met tout provisoirement dans la rue, c'est vrai de chaussée. Je vais voir si on a repéré. Ne me laisse pas tout seul. Bouge pas, je reviens. Fabien, qu'est-ce que tu fais là? J'arrive pas à dormir. On n'aura pas retrouvé le petit. Mais tout le monde le recherche, t'inquiète pas. Pourquoi il m'a pas fait confiance? Ne commence pas à culpabiliser. Je culpabilise pas, je suis inquiet. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous là-bas, qu'est-ce que vous faites là? Rien. Je suis le médecin traitant de Léo. Il n'est pas ici. On a fouillé partout, on l'aurait trouvé. La police est sur le coup, ils cherchent à l'extérieur. Ouais, je sais, mais bon, en étant là, ça me donne plus l'impression d'être près de lui, quoi. Léo. Léo, t'es là? Léo? C'est moi, c'est le docteur Cosma. N'aie pas peur, mon bonhomme. Léo, si t'es là, n'aie pas peur. Dis-moi où tu es. Léo, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Quand on a mal, il faut crier. Et si on t'entend pas, il faut crier plus fort.
Léo. Qu'est-ce que tu fais là, mon C'est tout. Tu veux venir avec moi? Hein? Tu veux venir dans ma main? Tu veux venir dans ma main? Allez. Viens, viens, viens. Viens, madame. Oh, pso! Oh là là, laissez tout pleurer. Vas-y, pleure ton cul. Il est fiévreux, je crains une pyélonéphrite. Il n'est pas opérable pour l'instant. Prévenu le chirurgien pour faire des examens, j'ai promis de passer. Je serai peut-être à la bourre pour la consultation. C'est ce qu'il te reste à faire. Je vais finir par le faire, moi, ce striptease. Il l'aura voulu. Tu sais que tu nous as foutu une sacrée frousse, toi. Hum? Alors dis-moi, pourquoi tu t'es caché? J'avais peur du cochon. Du cochon? Le monsieur avec la grosse écu. Ah oui. Et moi aussi, il me fait peur, tu sais. Mais je te promets qu'il ne te fera plus jamais mal. Tu me crois? On va m'opérer quand même? Pas maintenant. D'abord, on va soigner ton infection. Et seulement après, on t'opère. Léo, il y a une surprise pour toi. Oh, Léo, mon petit frangin. Alors, tu sais que je t'ai réparé ta moto, et toi? Petit crapaud, va. Je voulais te dire un truc. C'est pas de ta faute pour mon accident. Non, c'est disputé avant. C'est pas pour ça que j'allais vite. Pourquoi alors? J'allais voir une fille. Qui? De toute façon, tu la connais pas, ça sert à rien de le dire. Qui? Allez, qui? Bon, d'accord, mais tu le répètes à personne, hein? C'est un secret. Oui. Celle avec le pantalon en peau de panthère? Ah, tiens, tu vas voir. Marie, à la fin de mon remplacement, à la reprise de tes cours. Chin. Chin. Je voudrais vous remercier. Sans vous, j'y serais jamais arrivée. Sans vous non plus. Chin. J'ai pas droit à la bise, moi? Oh. Marie, un cadeau pour toi. Un petit pendentif. Oh. Je suis pas très bijou. Oh. Génial. Merci beaucoup. Ben, puisqu'on en est au cadeau, tiens, voilà, tu vas donner ça à Nicole. C'est pour l'entrée libre. Quand j'ai de l'argent, il faut que je le dépense. Tu vas pas tout donner quand même. Non, t'inquiète pas, il m'en reste. T'es bien trop emmerdant quand je suis fauché. Léo, je suis venu te dire au revoir. Mon remplacement est fini. Toi aussi, tu pars. C'est maman qui vient me chercher. Tu crois qu'il y aura papa? Ouais, sûrement. S'il travaille pas, il sera là. T'as dit au revoir à Tom? Tom n'existe pas. Je sais. Tu le savais? Bien sûr que je le savais. Il n'y a pas de service de grand brûlé à l'hôpital. T'es fâché? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Tom existe, puisque tu l'as inventé. Et puis il t'a aidé quand t'avais mal, quand t'avais peur. Et t'as pu lui confier tes petits secrets. Tu l'emmènes avec toi? Non, il va rester à l'hôpital. Peut-être qu'il pourrait aider ton autre enfant. C'est bien, bonhomme, t'as compris? T'as raison, gros. T'as raison. Ah. Vous êtes... Ça me fait trop plaisir de te voir. Mon petit cœur, oh, mon petit poussin. Ça me fait plaisir. Ah, mon Allez, je suis contente de te voir. On sort de là. Allez, on y va. On y va? Ouais. Mon petit Joe, ça fait trop plaisir de te voir. T'as plus beau vol, mon petit Léo. Hein? T'as plus beau vol. T'as plus beau vol. Bon, il est déjà parti, la sœur. J'ai pas eu le temps de le remercier.
Merci, vieux.